Bonjour et bienvenue dans cette courte séquence dédiée à l'activité test sur Moodle. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de vous donner un rapide aperçu des différents types de questions que l'on peut réaliser avec Moodle pour créer des QCM. Alors la version utilisée dans la démonstration tout à l'heure est la version 2.5 avec le thème magazine. Alors vous verrez que certaines questions nécessitent l'installation de plugins. Donc n'hésitez pas à contacter votre administrateur si vous n'avez pas ces outils sur votre plateforme. Mais passons tout de suite maintenant à la démonstration. Nous y voilà. Donc première question avec ici la question à choix multiple. Donc dans ce contexte ici, j'ai agrémenté un petit peu cette question avec l'utilisation d'une vidéo. Donc dans cette vidéo, on a la présentation et bien en fait de deux sœurs jumelles avec les activités qu'elles vont réaliser pendant le week-end. Donc à l'issue de cette vidéo, les élèves peuvent répondre et bien aux questions ci-dessous. Donc choix multiple avec plusieurs réponses possibles. Bon, je clique un petit peu au hasard pour répondre à cette question et on passe à la deuxième question. Donc cette fois-ci un choix multiple une fois de plus, mais cette fois-ci avec uniquement une seule bonne réponse et puis texte et bien ici ou plutôt une piste sonore à écouter pour pouvoir répondre à la question. Donc j'y vais tout de suite. J'ai 26 ans et me gusta mucho el cine, me gusta leer, me gusta. Voilà, etc., etc. J'arrête. Donc il me semble me souvenir que notre ami Andrés a 26 ans. Oui, je ne vais pas faire la prononciation en espagnol, désolé. Alors, question vrai-faux aussi, donc là, tout à fait classique. Hein. Maintenant, bon, on peut avoir des questions plus ou moins complexes. Bon, dans ce cas-là, ici, on est sur du vrai. Très bien. Autre type de question maintenant, question à réponse courte. Donc là, il s'agit ici d'attendre en fait un mot. Donc ici, il s'agit de Moodle. Donc Moodle, bon, on peut accepter éventuellement paramétrer pour que quelqu'un écrive ça comme ça. Pourquoi pas Moodle, comme ça, avec OMU. Bon, c'est... Pourquoi pas? Allez, je vais mettre la bonne réponse. Donc, si c'est en majuscule, en minuscule, peu importe, on peut paramétrer tout ça. Ensuite, question numérique. Question numérique, donc on attend une réponse numérique. Bon, dans ce cas-là, ici, eh bien, il s'agit de définir, donc de donner plutôt la hauteur du Piton des Neiges à l'île de la Réunion. Donc là, bon, il me semble me souvenir qu'on est à 3070 mètres ou 90, je ne sais plus. Bon, imaginons que ce soit 3090. On peut paramétrer dans la question de manière à ce que, si on est par exemple sur 20 mètres d'écart, on va quand même attribuer le maximum de points. Et on pourra attribuer par exemple 50% des points si on est à 100 mètres d'écart, etc., etc. Donc des paramétrages possibles. Autre type de question cette fois-ci, la question calculée. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs qui apparaissent ici peuvent être paramétrées, donc être variables en fait pour chaque élève, chaque étudiant. Donc 5 articles au prix unitaire hors taxe de 8 euros. Ça fait quoi, presque 9 euros, 9 x 5, 45, TVA de 20%, bon, je sais pas, je vais mettre ici, je sais pas, 55, allez, voilà. Ensuite, on continue avec un autre type de question, ici, la composition. La composition, alors là, l'inconvénient, hein, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que il va falloir eh bien, noter manuellement la question. Eh oui, Moodle ne note pas automatiquement. Hein, c'est-à-dire qu'ici, on a une compréhension de texte avec une question, et puis là, ici, l'élève peut, eh bien, dans ce texte, etc., etc., etc. Donc, il répond en fait aux questions, et une évaluation se fera par l'enseignant de manière manuelle. Ensuite, autre type de question avec un appareillement, donc quelques petits souvenirs d'anglais ici. Alors, sur le participe passé, fell, je crois, fallen, voilà, excuserai pour l'accent. Question close, alors question close ici, c'est quelque chose de très intéressant, ça permet de combiner plusieurs types de questions. Bon, la syntaxe est un petit peu particulière, mais on peut vraiment dire que ce type de question est très souple, car il permet de combiner plusieurs types de réponses dans la même question. Le nom donné à ce type de question, et c'est la question close. Voilà, parfait. Ensuite, appareillement avec glisser-déposer. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Adresse IP de la machine, ici. Donc là, on est dans un contexte vraiment purement informatique. L'adresse IP de la machine, c'est dans le fichier, voilà, interface. Nom de la machine, ça doit être dans le hostname. Alors voilà un type de question tout à fait intéressant. L'enregistrement Poodle ici qui nécessite par contre l'installation d'un plugin. Donc voir avec votre administrateur est bien préféré pour l'installation de ce plugin. On peut se présenter ici dans un contexte voilà,
d'expression française où à partir d'une lecture de texte, eh bien, l'élève doit présenter, situer le sujet, mais cette fois-ci de manière orale. Donc ça peut être un bon exercice aussi pour se préparer à l'oral. Donc je vous dispense ici de la démonstration. Donc l'élève va appuyer ici pour enregistrer eh bien, ses réponses. On peut eh bien, restreindre le temps, par exemple, à 1, 2 ou 3 minutes de réponse. Il peut se réécouter et puis eh bien, il enregistre son texte eh bien, automatiquement à partir de la question. Donc, bien entendu, ça suppose une évaluation manuelle après par l'enseignant. La question suivante ici, type de question suivant plutôt. Alors, le type de question gap-fill. Alors, gap-fill ici, l'idée en fait, c'est qu'on peut ou compléter directement dans les zones ou alors faire glisser eh bien, déposer. Donc, il était une fois, voilà, dans la ville de Foix, patati patata, que je peux écrire comme ça, mais cette fois-ci avec la majuscule, attention. Donc, voilà, pour gap-fill. Ensuite, glisser, déposer sur image. Oui, ben là, on est plutôt dans l'éducation physique et sportive. Donc, on va pouvoir, par exemple, eh bien, demander aux élèves de placer ici. Alors, je crois que l'arrière est là. L'ailier fort est ici. On doit avoir le meneur là. Et pour les autres, je vois pas mes antisèches. Oui, une autre... sur l'écran, bon bref, voilà, donc voilà, pourquoi pas, hein, très bien. Ensuite, un autre glisser-déposer sur image, donc là ici, on a uniquement un élément qui va être accepté pour que l'ampoule clignote, donc c'est l'interrupteur fermé bien entendu, donc je mets là, et je précise ici quand même qu'il faut déposer, parce qu'il faut placer les deux éléments ici, donc ceux qui ne sont pas utilisés sur la gauche. Ensuite on a du glisser-déposer sur texte, Julie a mangé un carré poulet, la manque Paul a mangé, oui était délicieuse, Sophie n'aime pas manger froid, voilà, pourquoi pas. Autre chose qui est intéressant là pour de l'histoire géo, pourquoi pas, avec une carte, on doit positionner les différentes villes, donc ici les villes de la Réunion qui sont en dessous, alors Saint-Denis par exemple ici, qui doit être à peu près par là, ensuite Saint-Benoît dans l'Est, pas loin de la rivière ici, ça devrait être par là, Saint-Pierre, et bien entendu en fait on va pouvoir définir un périmètre hein, dans lequel eh bien, la position sera considérée comme valable. Ensuite, autre type de question, alors une question un petit peu particulière ici, on a plusieurs réponses possibles, et en fait la différence essentielle c'est que par rapport à une question à choix multiple, c'est que le calcul des points se fait de manière automatique, bon ben là il faut consulter la doc, hein. Donc les expressions équivalentes à 4y, 4y, 2 ici ça fait 8 donc ça doit être ça, ensuite 6y moins 2 non c'est pas ça 2y ben mince alors ça devrait être ça, voilà. Ensuite autre type de question, encore des maths, toujours des maths, sélectionner le mot manquant théorème de Pythagore, donc là on choisit triangle rectangle composé de l'angle etc. donc voilà pour eh bien, l'ensemble des questions. Et voilà, cette présentation est terminée. Vous devriez avoir désormais une meilleure vue d'ensemble des possibilités offertes par Moodle pour l'activité test. Peut-être de quoi vous avoir donné envie de vous lancer. Alors bon courage et à bientôt.